Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence Elle Crée. Le site http://atelier63silenceellecrée.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à personnaliser des décorations en transférant vos propres photos sur n'importe quel support. Bois, bougies, châssis, textile, voilà une belle idée de cadeau absolument unique et original ou de décoration pour un événement particulier. Utilisez vos plus belles photos pour en faire des tableaux. Imaginez de jolies bougies pour décorer une table d'un mariage ou d'un baptême, d'une communion. Apprenez avec nous à personnaliser vos photos sur des textiles. Réalisez des coussins, des sacs, des t-shirts, des tabliers. Laissez juste parler votre créativité et rejoignez-moi sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, nous aurons besoin d'un médium de transfert. Le voici. Il pourra s'appliquer sur n'importe quel support, ici un châssis, sur une bougie longue, ou encore une plaque de médium comme celle-ci. Enfin, sur une plaque de bois brute comme celle-ci. Sur des textiles, je vous l'ai déjà dit, vous trouverez dans la boutique des sacs, des tabliers, des coussins. À vous de choisir. Alors, choisissez la photo qui vous intéresse. Moi, j'ai choisi cette photo-là. Et je vais travailler directement sur du bois. Je vais d'abord découper. Voilà. Et je vais utiliser mon médium. Je place mon médium directement sur mon bois et j'étale, voyez. Et ensuite, je prends ma photo imprimée sur une imprimante laser ou d'encre, peu importe. Et voyez, j'étale bien avec un chiffon et j'enlève le surplus avec une éponge légèrement humide sans toucher la photo. Je laisse sécher, attention, 24 heures. 24 heures plus tard, nous revoilà à la table de travail et je vais prendre une éponge propre, un petit peu d'eau et je viens tout simplement tamponner comme ceci pour humidifier ma photo. Regardez, celle-ci commence à être bien humide. On voit en effet par transparence la photo. Et puis ensuite, une fois que c'est bien humidifié, je prends mon doigt tout simplement et je viens frotter comme ceci. Vous voyez, ça fait une pellicule. J'enlève tout simplement le papier qui recouvre mon impression. Alors un petit peu de patience et épluchant. Une fois fait, je passe à la décoration. Ici, je prends ma pâte découpage que j'adore et je décide de réaliser un relief avec celle-ci. J'utilise un pique-brochette pour faire une petite impression dans la pâte. Je prends un pochoir, ici le pochoir rose, et je vais le travailler tout autour, toujours avec de la pâte découpage. Je place ma pâte
comme ceci. J'étale bien. Et délicatement, eh bien, j'enlève mon pochoir. Si besoin, je retravaille la pâte et je vais continuer ainsi tout autour. Là, je remets une rose. Et j'enlève à nouveau délicatement. Là. Je dessine un cœur au crayon et je vais utiliser de la peinture métallique or ainsi que de la peinture à relief pour laquelle je fais tout le contour. Voilà maintenant la peinture métallique or. Et voilà, passons maintenant au châssis. J'ai choisi là aussi une photo, je découpe. Je place mon médium. Alors je regarde d'abord l'emplacement de ma photo, ça sera là. Et je place maintenant mon médium avec un pinceau plat que j'étale au mieux. Je place ma photo toujours côté imprimé sur le châssis. Voilà. Avec un petit chiffon propre, je viens enlever les bulles d'air de façon à avoir une bonne prise de la photo. Et je laisse toujours 24 heures de séchage. Et 24 heures plus tard, de retour, même étape, je viens humidifier ma photo avec une éponge et un petit peu d'eau. Vous voyez, l'image commence à apparaître tout doucement. Elle est bien humide. Je vais pouvoir maintenant enlever la pellicule. Encore un petit peu. Et voilà. On enlève la petite pellicule de papier pour faire apparaître l'image. Et voilà, regardez. Place maintenant à la customisation. J'ai décidé de choisir ce joli papillon de dentelle. Voyons. Essayons de le placer. Je pense que je vais le mettre ici. Et je vais utiliser mon médium Art Déco. Vous savez, mon durcisseur de modelage. Je vais tout simplement l'imbiber du médium et je vais ensuite placer ainsi le papillon sur ma photo. Voilà.
Voilà, je mets bien en place de façon à ce que ça se colle très très bien sur mon châssis. Et voilà un joli papillon. Je vais utiliser maintenant pour faire le contour ici. Je prends de la peinture à relief, pailletée, or, pour sublimer la création, tout simplement. Voilà. Je laisse sécher. Et une fois sec, eh bien, je vais utiliser des stickers. Ici, une petite rose qui m'intéresse avec un cutter. Je récupère la rose. Voilà. Je colle la rose ici et puis les feuilles, eh bien, je vais les mettre ici. Voilà. Je mets une demi-perle. Et voilà ma jolie création. Maintenant, travaillons avec des bougies. J'ai choisi un portrait, deux portraits même. En voici un, voilà, donc pareil, je vais placer de mon médium de transfert. Alors j'utilise un petit chiffon pour caler ma bougie de façon à ce qu'elle ne bouge pas pendant le travail. Voilà, je replace, voilà, où c'est bon. Et maintenant, eh bien, je place mon médium de transfert sur ma bougie et là aussi j'étale au pinceau. Je mets en place la photo et 24 heures plus tard, c'est sec et je peux à nouveau prendre mon éponge et imbiber ma photo. Vous voyez, déjà l'impression commence à se voir. Allez, je vais peler ma photo. J'enlève cette petite pellicule pour faire apparaître l'imprimé. Et voilà. Si besoin, je prends une éponge et j'enlève les petites peluches. Place à la customisation. Alors là, je vais utiliser des transferts spéciaux pour bougies. Je passe un petit peu de vernis pour rehausser la couleur de la photo. Et puis, je décide d'utiliser pour l'autre bougie, eh bien, une décoration à partir d'une serviette. Donc, on va faire du serviettage sur une bougie. Alors là, j'utilise un produit spécial bougie, hein, c'est un vernis de colle spécial bougie. De la même manière qu'on fait pour les autres supports, on enlève la partie papier du motif. J'utilise ici le vernis de colle, j'en passe un petit peu sur la bougie et je viens placer ensuite à l'aide de mon pinceau. Je viens coller mon motif. Ici, j'ai choisi des roses. Je vais mettre ce petit morceau-là.
pour donner un petit peu de couleur. Alors vous retrouverez tous les tutoriels hein, dans les téléchargements gratuits, n'hésitez pas à regarder. Et je vous dis, laissez parler votre créativité. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. Atelier 63, Silence et le Crée. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique. http://atelier63silenceelcrée.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt les amis.